Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des SDF devenus stars. Let's go. Certaines stars n'ont pas toujours vécu dans l'opulence. La célébrité et la richesse ne sont venues qu'un peu plus tard. Auparavant, elles ont dû batailler ferme pour se faire une place au soleil. Beaucoup d'entre elles ont dormi dans leur voiture ou ont fait la manche dans les couloirs du métro. Suze Orman. Suze Orman travaille en tant que conseiller et sa fortune personnelle est évaluée aujourd'hui à environ 25 millions de dollars. Mais son parcours n'a pas toujours été facile. Il lui est arrivé de dormir dans sa voiture pendant 4 mois. C'était en 1973, à un moment où elle a voulu emménager à Berkeley. Les loyers étant hors de portée de sa bourse, elle a dû se résigner à dormir dans sa fourgonnette. Devenue un gourou de la finance, elle gère aujourd'hui des biens immobiliers d'une valeur boursière de 7 millions de dollars. Harry Houdini. Avant de devenir le plus grand magicien de tous les temps, Harry Houdini a connu une jeunesse assez miséreuse. À l'âge de 12 ans, il était obligé de mendier dans les rues. Las de cette situation, il a décidé de s'enfuir du foyer familial et s'embarque clandestinement dans un train de marchandises qui le conduira au Missouri. Mais les conditions de vie n'étant pas meilleures, il revient à New York où il continuera à faire la manche jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est seulement à partir de ce moment que sa carrière commence. Charlie Chaplin. Orphelin à l'âge de 10 ans, Charlie Chaplin a dû trouver un moyen de gagner sa vie dans les rues de Londres. Il ne pouvait en effet plus compter que sur lui-même pour assurer leur subsistance, car sa mère avait été internée dans un hôpital psychiatrique. Comme ses parents étaient tous deux dans le show business, c'est tout naturellement que Chaplin a décidé de marcher sur leurs traces. Aujourd'hui, il est reconnu comme étant l'un des plus grands acteurs du cinéma muet, et pour moi, du cinéma tout court. Alberi. Alberi a connu quelques galères avant de s'imposer comme l'une des stars du cinéma hollywoodien. À peine âgée de 20 ans, elle s'embarque pour Chicago pour devenir actrice. Mais elle se trouve vite à court d'argent. Comme sa mère rechigne à lui en envoyer, elle est alors obligée de vivre dans un foyer pour sans-abri. Alberi ne regrette pas cet épisode de son existence. Il lui a appris à se forger un mental d'acier pour réussir dans la voie qu'elle s'était toute tracée. Jim Carrey. Jim Carrey a quitté l'école très jeune pour suivre ses parents qui étaient hantés par les démons de l'aventure. Il a donc passé une grande partie de sa jeunesse avec sa famille dans le camping-car familial à sillonner le Canada. Les finances de la famille étant loin d'être au beau fixe, Lazmala décide de garer le camping-car dans l'allée de la maison de la sœur de Jim Carrey. Il en gardera plutôt un bon souvenir. D'après lui, c'est pendant cette période de vache maigre qu'il aurait développé son sens de l'humour qui fait son succès aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.